pas nous entendre et nous donner des réponses, on reste dans le bâtiment, on l'occupe et là on est en train de monter au 8ème à la direction quoi. Du coup tous ceux qui veulent monter sont les bienvenus. Pour autant, si à la sortie du bureau, vous êtes pris d'une volonté soudaine d'essayer de trouver des solutions pour que la situation s'améliore autour de la question du foncier. Vous avez une délégation aussi, vous savez à qui vous avec qui je pense qu'on avance quand même, même si c'est trop lent pour elle, même si ça lui paraît trop lent, on avance quand même sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'on devrait y arriver. Voilà, toujours est-il que... On y va, on descend, c'est après, moi je vous propose de descendre. Si vous voulez avoir le courage que vos dirigeants n'ont pas, faites-le, vous avez toutes les cartes en main. Si d'accord, je pourrais faire un tour de carte qui raconte un peu la ZAD et les difficultés liées à la régularisation. Parce qu'en fait, la ZAD, ça rentre pas dans les cases de l'administration et c'est tout plein de cartes qui sont comme autant de gens qui ont des activités, des projets. Chacun participe à l'ensemble et le tout est lié. Mais pour l'administration, ça ne rentrait pas de dire « Ok, tout le monde peut rester », il fallait des fiches projets individuelles, nominatives. Donc on a déposé, vous vous souvenez, 40 fiches projets, ce qui représente une bonne partie de ce paquet de 52 cartes. À peu près ça, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y avait des parcelles où il y avait plusieurs activités en même temps, et ça pour l'administration, ouh là là, c'est pas possible. Du coup, ça s'est réduit à 15 projets, donc je prends 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Comme s'il n'y avait que 15 personnes sur la ZAD, mais bon, ça c'est l'administration. Comme si, hein. Alors, ces 15 trucs, on peut prendre n'importe. Hein. Là-bas. On va prendre l'exemple l'un des projets, comme ils disent, comme vous dites, de la ZAD. Et en fait, du point de vue de l'administration, ça, c'est pas juste une culture de trèfle, de légumineuse, c'est juste, du point de vue de l'administration, c'est une feuille blanche. Recule, Michel, recule. On n'a pas mieux à faire, on n'a rien vu. Recule. Le truc, c'est que la feuille blanche, en fait, on peut pas juste se contenter d'une feuille blanche. Il faut un statut, un truc qui nous protège un peu. Et donc, ce qu'ils nous ont trouvé, c'est ça s'est transformé en. Les copes, c'est précaire et ça pourrait très vite redevenir une feuille blanche. Ah oui. Ça, c'est le problème, c'est dès que le département redevient propriétaire, ça redevient une feuille blanche. Alors comment on fait avec ça? Eh ben, nous, on a une idée. On a la bonne idée. La bonne idée, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais c'est que ça devienne... Donc, je vous explique donc la suite de votre mission. La suite de votre mission, c'est de faire que chacun des projets de la ZAD soit couvert par un bail.